Et donc, salut à tous, c'est Clément1335 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur Sif. Sif. Ouais, bon. Le truc que nous les Français avons du mal à prononcer et qui peut se traduire par voleur. Donc, aujourd'hui vidéo découverte. Le jeu est sorti à peu près il y a 2 mois, donc ça va, je suis pas trop en retard. Et le truc, c'est qu'on arrive déjà à le trouver en promo à 10€. Et c'est pour ça que ben, je fais cette vidéo, parce que j'aurais... Apparemment, il est pas si bon que ça, au vu des notes qui s'est pris sur les différents sites de jeux vidéo. Mais à 10€, je me suis dit que ça valait le coup de le tester. Et donc, ben, c'est ce qu'on va faire maintenant. Enfin, on va le découvrir. Ouais. On va commencer par prendre ça. On va pas... aller directement en difficile, on va pas non plus aller en facile, et donc ça me paraît être une plutôt bonne alternative. Donc je précise que pour 10€ vous aurez la version PC du jeu, enfin 11€, 10,99€, vous aurez la version PC dématérialisée du jeu, et je joue à la manette pour me simplifier un petit peu la tâche, parce que les jeux comme ça, personnellement je préfère les jeux à la manette. J'ai plus de facilité, on va dire, il y a seulement quelques FPS que je préfère jouer clavier-souris. Et évidemment, tout ce qui est League of Legends et toutes les conneries du genre. Et je vais arrêter de vous emmerder avec mes conneries pour vous laisser la cinématique. C'est que tout a un prix. Les secrets, la réputation, une vie et la confiance. Si vous posez la question, c'est au-dessus de vos moyens. À vrai dire, c'est pas vraiment important pour quelqu'un comme moi. Après tout, est-ce que j'ai déjà dû payer pour quoi que ce soit? Bon, on commence direct. Tant qu'à faire. Trop de lumière. Ok, donc... on va rendre ça un peu plus intime. Ça ressemble, selon moi, un petit peu à du Dishonored, quand même. Hop. Ok, je vais prendre des trucs qui peuvent me rapporter du pognon. Hein. Tout ce qui brille, en gros. C'est un petit peu assisté sur ce point-là, mais bon. Si ça fait le taf, pourquoi pas. Hop, à mon avis, il vaut mieux récupérer un petit peu tout ce qu'on peut, parce que après, on va en avoir besoin. Enfin, on va avoir besoin de pognon, principalement. Hop, nickel. Voilà. On prend les chandeliers aussi, tant qu'à faire. Tout ce qui vaut du pognon. Et on éteint les bougies pour passer inaperçu. Et LT pour franchir les obstacles. Donc selon moi, comme je disais, ça ressemble beaucoup à du Dishonored. Du fait que ce soit action, infiltration à la première personne. Et qu'on se balade un petit peu sur les toits, qu'on opère en marge de la société, tout le bordel. Par contre, le jeu est pas super beau. Il est même dégueulasse, mais bon. Et pourtant, les graphismes sont presque au max sur mon PC. Je pense que si je les mets au max, ça va ramer un petit peu. Mais et franchement, ils auraient pu faire un petit effort. Avec tous ces oiseaux qui gueulent. Il y en a qui aiment les oiseaux. Je pense que je vais finir par me faire repérer où il connaît le genre. Hop, on va prendre ce truc moche. Alors, activer interrupteur. Ah, c'est pas mal cette phase de recherche d'interrupteur. Là. Et voilà. Cette phase de recherche d'interrupteur est pas mal niveau gameplay. Mais voilà. Alors. Hop. Hop. Et. Hop. Et voilà. Bon. Crocheter la serrure, c'était plutôt facile. Hop. On va prendre le collier. Et là, on va se faire choper. C'est obligé. Ben voilà, on a notre sortie. Après tout, les toits, c'est la grande route des voleurs. Hop, voilà. J'espère juste que c'est pas qui je pense. On prend tout. Flèche grappin. Hop. Observez. Putain, mais comment ça se fait que de temps en temps... le jeu change les textures. On bouge. Ouais, non. Maintenez ça pour tirer.
Hop. Je... Ah oui, c'est ça qu'il faut que je vise. Voilà. Bon, le gameplay est pas... super intuitif, on va dire. Erin. Bon, on va essayer de s'améliorer au fur et à mesure du bruyant. Jeu. Et de voir ce que ça peut donner. Je suis venu, ça répond à ta question. Toi alors, t'as pas changé. Amène-toi, ce sera comme à la grande époque. Bon, d'un autre côté, c'est le début du jeu, donc c'est normal que on fasse pas grand chose niveau gameplay, hein. On en est encore à la phase d'apprentissage. Cette phase de course-poursuite est plutôt sympa. Hop. Mais je pense qu'au fur et à mesure du jeu, on va débloquer de nouvelles options qui vont être de plus en plus sympas pour le gameplay. Contente de te voir en vie. T'as choisi ce trajet parce que c'est plus rapide ou parce que c'est plus marrant? Pourquoi pas les deux? Allez, Basso attend sa livraison. Gemme de lumière, blablabla. À gauche, nous indique si on a des chances de se faire repérer. Tu peux pas rester dans l'ombre, duchesse de la torche. J'allais en repérage. Je sais que tu préfères pas s'éloigner. Hop, on va épier. Ce qui ne sert strictement à rien. Bon, je vais voir si je peux baisser les graphismes d'ici. Parce que j'ai l'impression que ça lag, alors que pourtant c'est pas super... Non, ça c'est juste la qualité des ombres. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça que j'aurais dû descendre. Ah non, en fait, on était en qualité très élevée. Et c'était moche. Voilà, là j'ai mis en qualité élevée tout simplement. Mais en qualité très élevée, c'était quand même assez horrible. Pour ce que... On est quand même en 2014. Le jeu est sorti il y a 2 mois, donc franchement, c'était assez moche parfois. Je pense que je vais bifurquer. Surtout... vu qu'on risque de comparer ce jeu pas mal à Dishonored, et que à côté Dishonored est très très beau. Ah oui, il y a des gens des deux côtés. Hop, bon, je sais pas si c'est comme ça qu'il fallait passer. Hein. Ok, il faut que je monte à l'échelle. Bon, en gros, on a 2 boutons. LT, le bouton qui sert à tout. Et RT qui sert à viser avec l'arbre. L'arc. L'arbre. Oh putain, je suis fatigué, moi. Hop. T'es jaloux de mon crochet? C'est moi qui l'ai fait. Pas de doute, ça va impressionner la vigile. On va pas passer inaperçu. Il faudrait déjà qu'il m'attrape. Fais gaffe où tu mets les pieds, c'est tout. On n'est pas là pour s'en mettre plein les yeux, Garrett. Bon. Plein les poches. Point plutôt positif, la VF est pas dégueu. Bon, j'ai pas... C'est que le début du jeu, donc je peux pas donner un avis... J'étais déjà un voleur quand tu portais des couches. Un avis fini, mais c'est un début. Voilà le Garrett que je connais. Pourquoi ça rame? À qui en prend le plus? Y a rien d'affiché. Alors là, j'ai pas du tout compris pourquoi ça ramait, étant donné qu'il y avait quasiment rien d'affiché de plus que d'habitude. Regarde mais, ce que j'ai trouvé. Une petite virée, toi ouais. Et moi. Pourquoi mais ça le jeu est pas bien optimisé tu du connais coup. Pas la réponse. Hop, je fouille tout. Y a rien dans le placard, pas les bâtards. Croche tes serrures. Vaut mieux rester discret là où je suis pas le bienvenu. C'est-à-dire un peu partout. Bon, les phases de crochetage de serrures sont sympas, mais il faudrait pas qu'il y en ait trop souvent non plus.
Ok, il n'y a personne. On va ouvrir. Hop. Difficile de garder un secret dans ce quartier. Là, on doit pouvoir fouiller, c'est ça. Et il y avait rien d'autre dans cette pièce-là. Ça, ça doit s'ouvrir. Oui. Hop, un bracelet. Ça, ça reste fermé. Le coffre. Toujours le coffre. Oh, la jolie bague. Hop. Ça. Et ça brille plus, donc c'est qu'il n'y a plus rien à prendre. Bon, je suis un petit peu ce que le jeu me dit de suivre. Hein. Je connais absolument pas, j'ai pas regardé de vidéo YouTube dessus, donc je découvre le jeu maintenant tout de suite. C'est pour ça peut-être que je parle pas beaucoup, mais bon, c'est une totale découverte. Alors, combien t'as volé? C'est pas combien t'as volé, c'est qu'est-ce que t'as volé. Et comment tu t'y es pris? Apparemment, la pierre primale qu'on doit récupérer pour Basso se trouve dans la salle de cérémonie à North Crest Manor. C'est le manoir du baron. Ça sera pas facile. Inquiet? Ouais, et tu devrais l'être aussi. T'en fais pas. Je serai là pour t'aider. La mission se complique de minute en minute. Bon, apparemment, on va devoir directement commencer par pas un braquage, un vol, tout simplement. Un vol compliqué dans la maison du baron. Ça doit être une personne assez importante pour la ville. Et on enchaîne cinématique sur cinématique, décidément. Et ils sont pas là pour profiter du festival. Beaucoup de gardes, ça fait beaucoup d'épées. Les voleurs sont allergiques à l'acier. Les épées, ça me pose pas de problème. Mais crois-moi, je suis pas une simple voleuse. Ça sent le sapin. Ce serait idiot que ce bazar rende l'âme devant les invités du baron. J'ai toujours pas compris comment fonctionnait vraiment la jauge en bas. J'ai juste compris que le cercle au milieu de la jauge. D'accord. Le cercle en bas à gauche se remplit de blanc quand on est en pleine lumière. Et il est noir quand on est dans l'obscurité. C'est tout ce que j'ai saisi. Hop. On lui fait les poches. Hop. Bronson, viens voir. Quoi? Tu peux aider le petit nouveau? Ça fait 10 minutes qu'il essaie d'allumer une corbeille de feu. Je suis pas son père, tu sais. File, avant qu'il fasse cramer son uniforme. Tranquille. Je sais pas pourquoi je parle pas. Ah. Ok. Quand je marche sur l'eau, j'ai plus de chances de me faire repérer. J'étais en train de dire que je sais pas pourquoi je parle pas. Parce que c'est pas si je parle que je vais me faire repérer dans le jeu. Donc je suppose que c'est une sorte d'effet placebo, on va dire. Comme quoi, si je parle, je risque de me faire choper. Hop, voilà, on va prendre des flèches à eau qui nous permettent d'éteindre les feux. Hop. Voilà. Ouais, il est puissant ton courant d'air quand même pour éteindre une torche. Hein. D'accord. Donc, je sais qu'on peut pas faire une roulade dans l'eau, sinon on se fait choper. Enfin, une glissade. Bon, on va chercher la sauvegarde la plus récente. Et on va recommencer...
Bon, ça, ça va. Je me déplace vraiment à 2 à l'heure, là. Bon, j'ai l'impression que ça va être un jeu full infiltration. Contrairement à Dishonored, où des fois on pouvait la jouer un petit peu bourrin. Que là, il va falloir que ce soit vraiment... vraiment infiltration. Sinon, on se fait castagner les dents. Hop, voilà. On va traverser discretos. Bon, on peut pas passer par-dessus les tuyaux pour éviter de marcher dans l'eau. Donc, obligé de marcher dans l'eau. Là, il y a un truc à piquer. Voilà, toi tu viens avec moi. Putain, qui c'est qui va me racheter un sandar? Même s'il brille, je vois pas quelle valeur ça pourrait avoir. Je vais te montrer comment on fait. Si tu fais un tas trop serré, ça laisse pas assez l'air pour que les flammes restent. Je suis vraiment un manche. Je viens d'une famille de charbonniers. Ah ouais? Avec les usines, c'est un métier en voie de disparition. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qui... Je dois neutraliser rapidement en silence. Tu... D'accord. Il a pas compris tout de suite que son pote venait de se faire buter. Parce qu'ils sont en train de parler, d'un coup, oh, il n'y a plus de réponse. Mais tout est normal. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu l'as tué? Il avait à peine ton âge. Gareth, c'était un garde. Alors tant pis pour lui. En fait, t'as pas changé. Qu'est-ce que tu veux dire? Je tue jamais, sans raison, ni sur un coup de tête. Et je ne suis pas un tueur à gages. Si je comprends bien, toi t'as le droit, mais pas moi. Je vois, je comprends. Sauf que ce garde-là ne se réveillera pas pour suivre nos traces ou donner l'alerte. En général, je suis déjà loin quand les gardes se réveillent. Bon, évidemment, elle a fait la bouffonne. Et maintenant, on va avoir un meurtre sur la conscience. Enfin, elle va avoir un pseudo-meurtre sur la conscience. Qu'est-ce que j'ai foutu? D'accord, je sais pas à quoi ça sert, ni ce que c'est. Mais bon. Ah, il faut que je crochette la serrure. Non, je voulais la crocheter, moi. Hop. Si tu es pressé de partir, je vais peut-être passer devant. Et voilà. Easy peasy. Hop. Tu me ralentis là. C'est plutôt ton crochet qui te ralentit. Casser une bouteille sur la caisse et équipez-la dans votre inventaire. D'accord. C'est un projectile ou... Bon, je croyais que je pouvais la casser. Non, 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 non. Ah, bah j'ai réussi à activer la carte. Hop, on va chercher. On récupère ça. Non, c'est la même chose. Là, on fait fou, glissade. On récupère le petit cheval. Et il va falloir monter là-dessus. Sauf que... Il y a un truc qui brille de l'autre côté. Du coup... Comme je suis un gros maniaque... Qu'est-ce que c'était que ça ? On va aller récupérer tout ça. C'est juste des pièces d'or. Sans déconner, j'ai fait ça pour 2 pièces d'or. On va traverser rapido. Et on va monter. Hop. Nom d'un branle de cloche. Si t'arrêtes pas de piétiner comme ça, tu vas finir par trouer tes nouvelles bottes. C'est ma petite amie, monsieur. Elle va me présenter à son père. Il sait pas que j'ai rejoint la vigile. Et alors ? C'est une marque d'honneur et de respect. Ouais, mais le problème, c'est qu'il croit à ces rumeurs comme quoi on se ferait graisser la patte. Je suis désolé si je parle pas beaucoup. J'étais en train d'écouter le dialogue. Mais bon. Ok. Voilà. On va passer par ici. Et on va monter. Donc normalement, ce sera pas mal.
Enfin, ce sera pas mal. Bah voilà, tu vois. Tu peux les laisser en vie. T'as peur de te faire doubler, c'est ça? Je partagerai. J'ai surtout peur que tu nous fasses tuer tous les deux. Je suis plus une gamine, pigée. Je peux courir plus vite, grimper plus vite, je peux... Tu peux tuer plus vite, te planter plus vite, c'est bon. Tu sais pas ce que tu fais. C'est pour ça que je m'en sors mieux. Faudra t'y faire. On va déjà finir ce travail. Ok. Elle, elle va nous attirer des emmerdes. Ouais. Et on n'a pas besoin de ce truc-là. Si à cause d'elle on finit pas en prison ou je sais pas trop quoi, c'est qu'il va y avoir un problème. Je suis sûr, elle va foutre la merde. Et je suis sûr à 200%. Et là, je sais pas pourquoi ça lag, étant donné qu'on est à 60 images par seconde. Mais bon, c'est les magies des jeux consoles qui sont portés sur PC. Enfin, la pierre primale. Les jeux consoles. Des toges. À mon avis, il a été créé sur, et pour console, et porté sur PC pour éviter de s'emmerder. Je vous prie. Et du coup, il est pas bien optimisé. C'est le baron Northcrest. Nous sommes réunis ce soir pour offrir une nouvelle naissance à la cité. Une ère de progrès et d'illumination industrielle. Que la canalisation de la primale commence. Semla in Sfrakakan. Sken Mamakana. Allez, on les rejoint en bas. Ça va être drôle. Non. On a terminé. On s'en va. Quoi? T'es pas sérieux? Ça tourne pas rond. C'est trop dangereux. Et t'es pas encore prête. Tu sais que je suis plus une gamine. Je peux me débrouiller. Avec ou sans toi, je descends. Tu descends pas sans ça. Ça, c'était obligé qu'il arrive une connerie à cause d'elle. Je pensais pas que ce serait ça, mais je pensais quand même que ce serait sa faute. J'étais plutôt partant pour le coup du « elle nous fait repérer et du coup on se fait arrêter et on finit en tôle » ou plutôt « le méchant nous chope » et des conneries du genre. Mais à ce que elle se fasse avoir, je m'y attendais pas trop. Je pensais qu'elle allait nous foutre dans la merde et plutôt s'en sortir. Mais au vu de la cinématique, elle risque de pas trop s'en sortir. Ah bah si, on a quand même fini en tôle. Ah, c'est peut-être pas en tôle. Hé ! On dirait qu'il se réveille là. Allez, bouge-toi, faut qu'on l'amène dans la cité avant qu'il réclame le bouclage. Respire, fiston ! Faut juste qu'on l'emmène au beffroi sain et sauf, et voilà, et le tour est joué. Où elle va, cette charrette? Boulanger, Stone Market. On t'a sonné, espèce de sous-merde. Hé ! Dégagez !
mort d'un de mes deux. L'ancienne vigile me manque presque. Quelle synchronisation des sous-titres, c'est hallucinant. Les voix ! Arrêtez ce cauchemar ! Le grisaille, c'est de pire en pire. Partout, sauf à Uldel. Ça peut pas continuer. Personne nous sortira de ce merdier, petit. Ils s'en foutent de nous. Il n'y a que le progrès qui l'intéresse. Des tuyaux qui poussent dans tous les coins, c'est ça que vous voulez? Toi sur la caisse, ça suffit. Hein, c'est ça? Y a pas de quoi se remplir la panse. Y a pas de quoi soigner les malades. Toi, tu te crois à l'abri parce que tu gagnes ta vie en nettoyant la merde des riches? Le baron a assez de cordes pour tout le monde ici. Mais l'aube est proche. Orion peut changer tout ça. Le baron brûlera. Regardez, regardez, ils craignent la vérité. Lève pas la tête. Toi là, c'est à qui que tu parles? Cours! Ah! Halt! Ok, j'ai pas compris qui c'était et pourquoi il nous aidait, mais pourquoi pas. Bon, autant qu'on arrive à s'en sortir. Mais bon. Le bébé froid me rafraîchir les idées. Le laissez pas s'échapper. Ah ah, on est poursuivi. Je te colle au train, fumier. Comment je monte? Là, il y a une échelle. Ah d'accord. Faut s'entraîner à utiliser la griffe de l'autre. La vision concentrée. Ok, hop, on va utiliser la griffe pour nous aider à monter plus haut, ok, c'est plutôt cool. Là, il y a du pognon. Ah non, de la santé. Ils m'ont bien eu sur ce coup-là, les bâtards. Hop. Et à mon avis, il va falloir que j'aille à cette tour qui ressemble beaucoup à Big Ben. Mais bon, je sais pas où le jeu se déroule. Autant on est à Londres, autant on n'est pas du tout à Londres. Mais on va bien voir. Hop, on descend là. On va aller par ici. Bon, lui, il va pas faire long feu. Hop. Bim, dans tes dents, toi, mon pote. On va te laisser là, hein. De toute façon. Dans une seconde, je suis plus là, donc j'en ai rien à taper. Hop, on va passer par ici et se barrer. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc par là? Ah si, il y a la sortie par là. Et alors, est-ce qu'il y a un truc par là? Ah oui. Hop, des flèches à eau, si je dis pas de conneries. Je suis pas sûr de ce que j'ai vu, mais je crois que c'était des flèches à eau. Hop. Bon, sinon, au niveau gameplay, finalement, le jeu se révèle quand même plutôt pas trop mauvais. Faut voir si par la suite, ça restera dans cette veine-là, ou si ça va être de pire en pire. Mais pour l'instant, ça reste globalement correct. C'est discret si on s'en sert correctement. Hop. On va crocheter la serrure. Bon. Cette phase de crochetage commence à être un peu longue. Ça fait déjà la 3 ou 4ème serrure que je me fais. Il faudrait pas qu'il y en ait trop souvent. Sinon, ça peut vraiment péter toute l'immersion et tout le. Et toute. Ouais, l'immersion et un petit peu le gameplay. Si c'est trop tout le temps la même chose, avec des phases comme ça qui pètent bien le rythme, ça peut devenir chiant. Comme si j'avais besoin que la porte elle soit ouverte. Qu'est-ce que tu regardes là? Le prix de ce masque incrusté. Il y aurait de quoi nourrir une centaine de petits boyaux vides pendant un an. Tu ne vas pas me dire que t'écoutes ta conscience. C'est bien.
Bon, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille... piquer les trucs qu'il y a dans la vitrine. Il faut juste trouver comment. Hop. On va descendre. On prend la bouteille. Non, ça c'est la carte. Bon, je voulais annuler le lancer, mais apparemment on peut pas quand on a commencé à le charger. Ou alors je sais pas du tout comment on fait. Hop. On va se barrer par là. Là-bas, il y a un truc qui brille. Là au-dessus, il y a un truc qui brille. Bon, des pièces d'or, c'est pas top. Putain, ça fait déjà une demi-heure. J'ai l'impression qu'on n'a rien fait du tout dans le jeu. Ce qui est... Bon, faut le dire, le jeu est un peu mou pour l'instant. Mais quand même, je pensais que... Je pensais qu'on n'était pas encore une demi-heure. Mais bon, faut croire que si. Donc, bah voilà, j'espère que cette vidéo découverte vous aura plu. Même si c'est pas passé grand-chose et que j'ai pas beaucoup parlé. Mais en tout cas, j'espère qu'on va... On va voir un meilleur jeu sur la longueur que juste maintenant. Je vous ferai peut-être un test si le jeu en vaut la peine. On va dire ça comme ça. Mais voilà. Donc voilà, une fois de plus, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très très bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Allez, ciao !